1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimum 2 friandises chacun. Salut tout le monde! Alors, bah oui, on entend le tracteur. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve. Non, mais ils vont rien comprendre, la semaine dernière, j'étais en veste et tout. Du coup, là, nous sommes le 23 avril. Et nous allons faire une petite séance de saut d'obstacle. Bon, alors je dis saut d'obstacle, mais ça va être de petits sauts histoire que les juments découvrent ça et voir comment elles vont sauter. Et puis voilà, on vous emmène avec nous. Oh là, je pensais que au mois d'août, ils ont fait quoi pour plusieurs fois là. C'est pas assez droit. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oui, fille, très bien. Oui. Du coup, on a mis en place saut d'obstacle de 3 mètres. Vous pouvez y voir. Bah, on va commencer un petit peu la détente. Bon, déjà, c'est au trot. Déjà des barres posées comme d'habitude, comme des détentes quoi. Et du coup on saute dans le chemin parce qu'ici bah, y a pas de cailloux. Du coup on saute dans le chemin parce que bah, c'est le seul chemin à peu près plat. Il n'y a pas de cailloux à la réception ni à la bord de l'obstacle. Nous n'avons pas d'endroit pour sauter donc on peut pas aller dans les prés. L'herbe elle commence à pousser. Et nous n'avons pas d'espace de travail donc nous sautons comme on peut. Voilà, puis de toute façon on va pas sauter 3 km de haut donc voilà. Vous ne vous attendez pas à qu'on saute 3 mètres ni 3 mètres de large, une rivière, un truc, un machin. Parce que bah déjà, Ify elle a pas encore 3 ans, Lily a pas encore 4 ans. Et c'est la première fois qu'on va réellement sauter. Parce que Lily a déjà sauté le film et bref, ça c'est autre chose. Tac, ça tourne. Je vais aussi poser mon téléphone. Trotte. Oui. Allez, on prête. Du jour du coup bah, on y arrive quand on revient, surtout parce qu'elles savent pas trop la hauteur quand on part là-bas, mais on va continuer comme ça. Je pense que c'est pas très mal, je se débrouille plutôt pas mal, ça va. Donc là je fais quoi du coup? Ouais, tu mets 3, j'en mets une à 4 et une à 2 à 3. Allez, allez, hop, allez. Attends, je vais recommencer. Au moins qu'elle fasse un effort, quoi.
Iphigénie des proies. Allez, stop. Très bien. J'ai jamais vu un obstacle aussi branlant. Allez, saute. Allez, Lulu. Il fait marcher. Histoire qu'elle finisse sur un bon truc. J'allais dire, de toute façon, on est obligé de finir par un saut. Ok. Allez. Je me mets derrière. Allez. Allez, tu es prête? C'est le dernier. Hop, allez, prête! Allez! Wow! Franchement, elle est pas mal. Allez, saute! Oui! Est-ce qu'il faut valider? Non. Faut que je filme ça. Non mais elle trotte hein, carrément quoi. Alors Lily s'est barrée. Voilà. Je zoome à fond pour la voir dans le cadre. Ok. La grande m'a perdu hein. Ouais. Ouais, super. Il est au galop. Pinocque est en stress. Pinocque. Ouais. Ah, les derniers passages. Ouais. C'est un champion. Campeones. On y va? Il est prêt. Ouais. Pinocque, ça va? On est là bébé. Mais oui, il va rentrer. Regarde, voilà. Il est content. J'adore. Ça fait du bien. Allez, attention Pinocchio. Comme vous avez pu voir, j'ai fait sauter un indien aussi parce que il regardait les juments sauter tout ça et puis on s'est dit que ce serait pas mal, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sauté. Du coup on l'a fait sauter, comme vous pouvez voir il saute très bien et du coup on a décidé de laisser Pinocque dans le parc et il est un petit peu stressé. Voilà, ça c'est pas très grave parce qu'on était vraiment à 5 mètres de lui clairement. Et du coup vous voyez qu'un indien saute beaucoup mieux que les juments. Il est entraîné et puis même il a plus de punch aussi et puis il sait comment faire, enfin. Il a déjà du métier, on va dire. Et donc, bah, les juments, comme vous voyez, elles ne savent pas sauter. On se fâchait pas, enfin, on leur disait juste que c'était nul et puis on recommençait. Et du coup, on a eu un saut bien toutes les deux à la fin. Donc, on a arrêté là-dessus et voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et la prochaine fois qu'on saute, moi, je serai sur Lily. Et donc, normalement, on vous filmera ça. Je sais pas si Steph montrera sur le jument. On verra bien. Voilà, bisous!